sur les deux thèses à la fois. Pas oublier qu'en Algérie, nous avons hérité, en 1962, d'un droit qui était fortement sécularisé. Fortement sécularisé. Ce qui nous distingue peut-être des autres pays, notre droit. Parce qu'il y a eu une loi pour ce... Bon, je rappelle uniquement, à l'indépendance, une loi qu'on appelle loi de la reconduction. Lorsque l'Assemblée constituante a été chargée aussi d'élaborer des lois, la première loi qu'elle a prise, c'était de dire « Nous reconduisons l'ensemble de la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ou contenant des dispositions de nature discriminatoire. » Donc tout le dispositif du droit français a été reconduit en Algérie. Elle a continué à fonctionner jusqu'à présent sur ce droit qui est fortement sécularisé. Et donc,